Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. On est cette fois-ci contre un Nekaflip Hermano. Donc c'est parti, j'espère que ça va bien se passer. Ok, donc direct le gars, plus de recrues la prochaine fois, mort de rire. Ok. Donc le gars, il utilise la roulette. Donc nous on va direct aller au CAC. Allez, on va mettre un bouffetou. La roulette, j'ai pas vu ce qu'elle donne, mais je pense qu'elle donne rien d'intéressant. Ok, 20 dommages. Bon, on va mettre notre bouffeton pour avoir le maximum de créatures sur le terrain. Donc on lui enlève un peu de PA. Parfait. On éloigne notre bouffeton. Donc là, parfait. Donc là il est coincé au CAC, donc il va être obligé de roxer j'imagine. Ok, donc il se détaque de 1. Il se détaque, il lui reste 9 PA, ok, il me tape du 50 à la tromperie. Il tape en zone du... je sais même pas, du 1000. C'est énorme, il tue le bouffetou du coup et il éloigne tout. Avec une seule compétence. Ok, donc nous on va envoyer le bouffeton. On va envoyer le fossile pour lui enlever des PM. Et on tape au maximum, voilà, fossile, fouet, on rox. Le bouffeton qui va lui enlever de la vie mais aussi des PA. Et on va le mettre au CAC pour l'embêter. Parfait. Voilà, on tape la roulette, juste tranquille, mais... Ok, donc il se booste. Du coup, il va mettre que des coups critiques, heureusement qu'on a des 220 de récrit avec ce mode-là. Ok, donc un coup de baguette à 270. Ok, il fait quand même beaucoup de dégâts, hein. C'est énorme. On va direct aller au CAC. On va mettre un dragon. On va même le piqûre. On va en remettre un autre. C'est toujours ça de prix. On le remplacera au pire si y a besoin. Voilà, le bouffeton va arriver, parfait. Donc là nous on est au CAC, du coup on a le bonus émeraude, c'est plutôt cool. Ok, il met son chaton guérisseur, il lui reste 6 PA et un coup de baguette. Bon, il nous tape pas des masses. Heureusement qu'on a des récris, hein, sinon on serait déjà mort. Ok, donc on va envoyer un coup, parfait. Hop là, on se transforme, comme ça on se protège. C'est nickel, et on va y avoir un coup de fouet pour enlever le truc. 1, 2, 3, 4. Non, hein, c'est pas la peine. Ok, donc là on tape à fond. On va embêter un peu le chaton, on va rester à son CAC. Là voilà, on attaque. Ah, c'est pas facile contre les équins. Ok, donc là le dragon arrive pour lancer un des buffs, parfait. On va mettre le bouffeton derrière, comme ça il va pas me l'éjecter trop loin mon Osa. Parce que je sens qu'il va faire son sort de zone pour faire du 1000 en spam en zone. Du coup il va tout one shot, mais nous avec le bouffeton on va pouvoir pas partir trop loin. Ouah, regardez, 1000 en spam en zone. Ultra shit. Ultra cancer. Le cancer au maximum et en plus immunité totale avec chance des cas. Donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre encore un bouffeton. Hop là, parfait. Le dragon a tenu, mais bon je sais pas, on peut lui mettre un baume à la limite pour le faire tenir plus longtemps. On va placer un chaffeur. Et on va se soigner, on va soigner tout le monde. Histoire de patienter. On lui enlève quand même des PA. On va laisser le bouffeton derrière. Ok, il perd pas mal de points de vie. Ok, il nous avance alors. Oh putain, mais ce sort il est vraiment trop fort.
C'est vraiment trop. Faudrait vraiment nerf les Eka Flip assez rapidement. Ok, donc là, on s'avance. On va mettre une frappe du crack. Alors, ok, donc le bouton, on se met direct au cac pour l'embêter. Parce que là, sinon, il va pouvoir venir nous taper. On éloigne le... Loza, du coup, voilà, il va être obligé de tacle. Il va partir de ce côté, j'imagine. Dans tous les cas, on va le coincer parce que prochain tour, je peux bouffe tout piqûre. Donc, il va vraiment falloir qu'il se place bien. Ok, donc il nous tape un peu. Ouais, donc il va partir de ce côté et normalement, on le bute. C'est terminé. On envoie le bouffe tout piqûre. Et voilà, le combat est terminé. J'envoie la frappe du crack au cas où. Parfait. Et on fait le kill. On bat un Eka Flip alors qu'on est Osa. Chapeau à nous-mêmes. Bon, ben j'espère que ce petit combat vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à liker. À la prochaine, les amis. Tchuss.